press is important. It's the liberals that are undermining that in this country. Right. Unifor boss and good liberal friend Jerry Diaz said last week, am I coming out against the conservatives? You're darn right I am. Wow. When asked if he was going to tone down his anti-conservative campaign now that his union is on the Prime Minister's so-called independent media panel, he said, quote, I'm probably going to make it worse. Wow. There are lots of other organizations that represent journalists. Why did this government put such a biased organization on this panel? Honourable Minister of Canadian Heritage. Mr. Speaker, unlike the Conservatives, we don't want just CEOs around the tables. Yes, we want the CEOs, but we also want people representing the entire industry, the journalists, the workers, the people in the newsroom, small papers, large papers in English and French, Mr. Speaker. Why? Because that's the right thing to do. Conservatives want to get rid of the free press, and we want to make it stronger. Order. L'honorable député de Richmond-Athabasca. Monsieur le Président, Unifor est le plus gros syndicat de journalistes au Canada. Son boss, Jerry Diaz, a dit qu'il s'attaquerait à notre chef et qu'il serait son pire cauchemar. Il a même promis par la suite que ça serait pire que tout ce que l'on a pu imaginer. Alors, la question au Premier ministre, est-ce qu'il va faire enfin ce qu'il se doit et exclure le syndicat Unifor du comité, oui ou non? Monsieur le Président, encore une attaque contre les travailleurs. Pourquoi est-ce que les conservateurs ont si peur des travailleurs de la classe moyenne? Sous le régime Harper, ils ont fait la guerre aux droits des travailleurs et ont rendu ça plus difficile pour les travailleurs de s'organiser librement, de négocier collectivement, de travailler dans un environnement sécuritaire. Et contrairement aux conservateurs, on sait que les syndicats sont des partenaires et non pas des ennemis, Monsieur le Président. Député de Richmond-Athabasca. Monsieur le Président, après la sortie de plusieurs membres des médias partout au Canada de plusieurs semaines, l'Association canadienne des journalistes a dénoncé publiquement cette manœuvre, a critiqué le manque de transparence des libéraux et le manque d'indépendance de ce comité. À 4 mois des élections, le premier ministre tente d'influencer l'élection avec 600 millions de dollars des Canadiens et des Canadiennes. Alors, je répète ma question au premier ministre. Va-t-il exclure le syndicat Unifor du comité, oui ou non? Bravo! Madame la ministre du patrimoine canadien. Monsieur le Président, on le dit depuis le début, c'est important d'avoir tout le monde autour de la table, autant les propriétaires de journaux que les gens qui travaillent dans les salles de nouvelles, que les syndicats qui représentent les journalistes, qui représentent les travailleurs, Monsieur le Président. Ce que l'on veut ici, de ce côté-ci de la Chambre, c'est une presse libre, c'est une presse forte, c'est une presse indépendante, Monsieur le Président. Alors, au lieu d'attaquer la presse et les journalistes, qui se nous joignent, Monsieur le Président, pour faire en sorte qu'elle soit plus forte, plus vibrante, Monsieur le Président. Bravo. Honorable member for Burnaby South. Mr. Speaker, the final report of the inquiry into missing and murdered Indigenous women and girls talked about the roots of this violence, the misogyny, the racism, and the social economic injustice. It calls on us to accept our history of colonial past. Will the Prime Minister join me in acknowledging this injustice against Indigenous women, girls, and the 2S LGBTQ QQIA community and commit to working with the Indigenous community in implementing these recommendations, including sweeping reforms to the justice system, health care, well-being, and rural transit? Hear, hear. Honourable Minister of Indigenous Services. Mr. Speaker, we all owe a tremendous debt of gratitude to the survivors and family members who shared their painful memories and stories with the Commission, often putting their own health at risk in order to do so. And in the coming weeks, we'll be announcing our initial response to the final report, as well as a process and first steps to formally develop a national action plan. This plan will build on the efforts our government is already taking to address this ongoing national tragedy, including reforms to child and family services that recognizes the inherent rights of Indigenous peoples and investments in women's shelters, housing, education, and safety on the Highway of Tears. Député de Burnaby Sud. C'est tout simplement déchirant. Trop de femmes, filles et personnes de LGBT, QQIA autochtones ont subi d'horribles violences et pour trop d'entre elles, la violence continue d'être une réalité. Ce rapport ne peut pas rester sur une étagère. Nous devons le lire attentivement et mettre en œuvre ses recommandations.
Est-ce que le gouvernement va travailler avec les organisations et communautés autochtones pour trouver des solutions en matière de justice sociale afin de répondre aux appels à la justice du rapport? Ministre des Services autochtones. Président, notre réponse détaillée au rapport provisoire de la Commission s'appuie sur les mesures immédiates visant à assurer la sécurité des femmes autochtones au moyen d'investissements dans les refuges pour femmes, le logement, l'éducation, la refonte des mesures de la protection de la jeunesse et la sécurité de la route des pleux. Honorable député de Burnaby Sud. Lorsqu'il s'agit d'affronter l'urgence climatique, les actions du Premier ministre ne correspondent pas à ses paroles. Nous avons introduit un plan pour gagner la lutte contre le changement climatique et créer des emplois de qualité. Pour l'avenir de nos enfants et nos travailleurs, nous avons besoin d'arrêter de parler et agir maintenant. Les néo-démocrates ont le courage d'agir. Est-ce que le Premier ministre va se joindre à nous pour annuler les subventions du combustible, pour bâtir un avenir sûr?